Mon père a disparu. Hier soir, je lui ai parlé des envahisseurs et des armes dont il disposait. Au lever du soleil, il était parti. Cyril m'a dit qu'il allait revenir. Mais la journée s'achève et personne ne l'a vu. Je crains que cet idiot n'ait agi sans réfléchir. Nous avons besoin de lui. Maintenant, plus que jamais. Ça ressemble à un indicateur. C'est du byzantin. Mais je n'y comprends rien. Une bulle papale. Le sceau de plomb atteste de son authenticité. Ça devait accompagner un document très important comme... un décret d'excommunication. Il faut que vous arriviez à attirer leur attention, de n'importe quelle façon. Pas de problème. Je m'en charge. Thank you.
décharge du tir de couverture. Enfoiré! Attention, grenade! Jacob, le combat tourne à notre avantage. Bon travail. Ces hélicos seront bien moins à notre portée. Et voilà. On a réussi. Lara, tu es là? La tour grouille de Trinitaire. On est piégés en dessous, dans les catacombes. Elias et moi allons tenter d'atteindre les lointaines collines où le vieil ours vit. Les Trinitaires sont toujours rassemblés sous la vieille base soviétique. Nous allons attendre que la nuit tombe pour partir. C'est très risqué, mais nous savons qu'une bataille se prépare. Nous aurons besoin des herbes médicinales qui poussent sur ces collines pour survivre au combat. Bon sang! Tenez bon! J'arrive tout de suite!
Attention, grenade! Cela fait maintenant des mois que les neiges de la montagne ont enseveli le cœur de Kitej. Nous avons envoyé des hommes à la recherche de survivants et de nourriture, mais aucun n'est revenu. Des sons nous parviennent des profondeurs du glacier, mais j'ignore si des gens y sont prisonniers. Il pourrait s'agir des craquements de la glace, mais je dois avouer que cela ressemble à des voix humaines. Les spectres des guerriers du prophète parcourent peut-être encore les rues gelées. Nous n'en verrons plus personne là-bas. Nous devons accepter le fait que le prophète et la cité ont disparu. Et que nous sommes désormais seuls. Finissons-en. Équipe 5, on se dirige vers les catacombes. On va avoir besoin de renforts. Bien reçu, on arrive. On pourrait régler ça vite fait en leur lançant quelques grenades, non? Non, l'Atlas est peut-être caché. Oh, merde! Et plutôt deux fois qu'une. Tenez cette position! Tu vas crever! Ah.
Jacob, ils sont partis. Ce n'est que le début des hostilités. Vous pouvez m'en dire plus sur cet endroit ? Vous l'avez bien mérité. Venez avec moi. En des temps anciens, notre prophète a apporté la source divine dans cette vallée. Mes ancêtres ont bâti Kitej pour la protéger du monde extérieur. Mais dans quel but ? Allez, dites-moi ce qu'est la source divine, Jacob. C'est un artefact qui date d'une ère oubliée. Nous pensons qu'elle contient un fragment de l'âme de Dieu. On raconte que ceux qui ont regardé la source se sont vus accorder l'immortalité. Mais il existe une communauté qui l'a toujours convoitée. Les Trinitaires. Oui. Ils veulent répandre leur idéologie à travers le monde. Avec la source, leurs soldats deviendraient indestructibles. Alors il faut que vous m'aidiez à mettre la main dessus avant eux. Ce n'est pas votre fardeau. Bien sûr que si. Mon père a donné sa vie pour ça. Vous ne pourrez jamais combler le vide qui est en vous. Vous devez vous en libérer. J'arriverai à la trouver. Avec ou sans votre aide. Attends, Sophia, laisse-moi partir. Je dois finir ce que j'ai commencé. Tu as versé du sang pour nous. Je veux t'aider. Tu sais où se trouve l'Atlas ? À la cathédrale, dans les archives au sous-sol. Mais on ne viendra pas avec toi. Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais y trouver ? Il y a une autre armée. Les Immortels. Ils tuent tous ceux qui représentent une menace. D'après mon père, ils arrêteront les Trinitaires. Je ne parierai pas là-dessus. Je sais. Tiens. Prends ça. Ça t'aidera à atteindre la cathédrale. Thank you.
Lara, si tu vas à la cathédrale, les Trinitaires seront partout. Je sais, mais je n'ai pas d'autre choix. Tant de violence et de mort. Le peuple de Jacob a traversé tellement d'épreuves, et pourtant, ils continuent à se battre. Ils sont liés par un serment prêté par leurs ancêtres, un devoir hérité du passé. Mais tout ce que je vois, ce sont des gens qui veulent vivre en paix. Je pense qu'il est temps pour eux d'enterrer le passé. Si j'arrivais à trouver l'Atlas, il pourrait me conduire à la source divine. Je pourrais l'emporter loin d'ici, et il n'aurait plus à souffrir. Il pourrait partager le poids de la vérité avec le monde. Mais si tout ça ne mène à rien, je ne sais pas ce que je ferais.